avec la libération de Paris. Mais tout de suite, pour bien comprendre ce qui s'est passé dans la guerre d'Espagne, surtout du côté de l'engagement de quelques 35 000 hommes venus de 53 nations, il faut d'abord, je crois, très rapidement rappeler qu'à l'époque, c'est-à-dire les années 20 et 30, un grand danger planait sur l'Europe et sur le monde, c'était le fascisme. Et en particulier Mussolini, qui dès les années 20 avait en quelque sorte instauré le fascisme en Italie, le définissait comme un exact opposé des grandes idées de la Révolution française. Ce qui, pour les jeunes Français, tout de même nourris dès l'école communale, grandes idées et les grandes réalisations de la Révolution française ne pouvaient que les mettre en garde. Et puis, quand Hitler est parvenu au pouvoir, il avait déjà écrit, étant en prison à la suite d'un putsch avorté, Mein Kampf. Et dans Mein Kampf, il disait « L'ennemi à battre, c'est la France ». Et je vous fais grâce du reste. Voilà, je crois, deux exemples caractéristiques de la mise en garde de la jeunesse française contre le fascisme. Et surtout quand en 1936, tant en Espagne qu'en France, a été le triomphe du Front populaire, avec tout ce qu'il a apporté et qui encore reste à défendre aujourd'hui. Bref, Hitler et Mussolini ne sont pas restés inactifs, et devant ces victoires du Front populaire antifasciste, eh bien, ont agi d'abord contre l'Espagne. Car le soulèvement, le pronunciamiento des généraux Fénon a été préparé de longue main. Et en particulier, une des parties les plus agressives du fascisme espagnol, les Requetes, avait été en Italie pour suivre une formation militaire. Les armes aussi sont venues d'Italie, l'argent, etc. Bref, ce front populaire espagnol s'est trouvé le premier agressé. Et à ce moment-là, le Front populaire français s'est trouvé devant un problème, c'est de répondre aux engagements pris vis-à-vis de la République espagnole, de l'aider. Mais cela n'a pu être fait parce que les pressions, venant surtout de l'Angleterre, ont abouti à ce que, sans doute, vous connaissez, la non-intervention. Alors que Hitler et Mussolini envoyaient des troupes, des avions, des canons, des chars, la République espagnole ne recevait pas les armes qu'elle avait commandées et gagées d'ailleurs par les dépôts d'or en France. Et c'est alors que du monde entier a surgi cette aide à l'Espagne. Et tout d'abord, pour bien situé qu'il s'agissait d'un mouvement profond et populaire, les premières centuries qui ont rejoint les forces républicaines, c'était les sportifs qui, à Barcelone, en juillet 1937, avaient organisé ce qu'on a appelé les Spartakiades, qui était le pendant, en quelque sorte, des Jeux Olympiques organisés à Berlin. Et là, les sportifs français, polonais, italiens, spontanément ont organisé trois centuries, la centurie commune de Paris, la centurie Gaston et Sozzi et une centurie d'Ambrosio. C'est-à-dire que spontanément, justement, c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure la force de l'antifascisme, spontanément, ces hommes-là, qui étaient les antifascistes, sont venus au secours de la République. Et c'est ensuite alors qu'on a organisé en profondeur les brigades internationales. Et ces brigades, les premières, ont été engagées à Madrid, et il s'est passé un fait extraordinaire. Toute la presse internationale, en ce mois de novembre, avait dit « Franco va rentrer dans Madrid ». Le monde entier s'attendait à la chute de Madrid. En ces jours de novembre, même les Madrilènes avaient barricadé leurs portes-fenêtres et j'ai entendu une troupe
marché au pas des avenues de Madrid et ils ont cru que c'était des fascistes. Et c'est à ce moment-là que ces quelques milliers d'hommes sont sortis en français, en allemand, en italien, à l'international. Et à ce moment-là, les portes et les fenêtres sont ouvertes et les Madrilènes sont précipités dans la rue. Ça a été un moment extraordinaire parce que la solidarité déjà internationale qui se manifestait une véritable fiesta avec musique. Et aujourd'hui, maintenant,
maintenant que Cortés, sous la signature du Juan Carlos, vient de décider de donner aux brigades, aux anciens brigades, la nationalité espagnole. Vous voyez que l'esprit des brigades reste profondément ancré dans l'histoire d'Espagne, concrétisé maintenant par la reconnaissance officielle de cette citoyenneté. Bien sûr que si un jour vous suivez l'évolution de cette décision, vous verrez que ce n'est pas facile, parce que la législation espagnole ne vous donne la nationalité qu'à condition de renoncer à votre propre nationalité. Alors naturellement, ça pose quelques problèmes. Autant c'est valable pour les apatrides, pour les autres camarades des brigades, naturellement. Alors le gouvernement espagnol a pensé nous donner un titre honorifique d'Espagnol d'honneur. Vous voyez donc que les brigades restent vivantes, ancrées dans l'histoire d'Espagne, et avec toute la reconnaissance que nous avons gagnée par le sacrifice de quelques 3000 Français, de environ 15 000 étrangers de tués en Espagne, donc 3000 Français, qui reposent en terre espagnole encore. Sur les 8000 Français qui sont partis battre en Espagne, 3000 sont tombés dans la résistance française. Voilà, je crois, avec l'évocation rapide et quelques chiffres, il faut voir combien cet esprit antifasciste de défense des libertés, et aussi bien d'ailleurs en France à l'étranger, animait la jeunesse de mon temps. Et pour peut-être conclure sur cette première partie, je me souviens de l'élan de mon épouse et moi-même en vacances dans la province de Malaga, à San Pedro de Alcantara, et dans un établissement qui appartenait à un Espagnol, et il m'a demandé de mettre quelques mots sur le livre de. J'ai écrit la pensée suivante, qui était peut-être, je veux dire en avance ce que je viens de vous dire, en suivant que tout homme peut avoir dans la vie deux patries, la sienne et celle que la vie lui a révélée. Et j'ai ajouté, pour moi, c'est Espagne, en combattant pour elle, que j'ai appris à mieux défendre la mienne dans la résistance et la libération. Et mes deux patries, je terminais, je les vis dans le même sentiment de solidarité. Et de fidélité. C'était donc 17 ans avant la décision de Cortés, vous voyez, avec cette idée que nous étions aussi les Espagnols. Je ne sais pas si j'ai fait déjà épuiser combien de temps. 25 minutes. Bon, alors pour le premier thème, voilà, je crois, déjà un mirage qui situe dans l'histoire le rôle des brigades internationales. Bien sûr qu'il faudrait toute une science. Non pas pour épouser le sujet, mais pour épouser vraiment tous ces aspects. Mais en tout cas, l'histoire des brigades internationales prend leur place, particulièrement en Espagne. Venons-en maintenant à la résistance, en particulier la résistance parisienne. La résistance parisienne a commencé très tôt. Et souvent, quand on vous parle de résistance, on peut comprendre que la résistance est organisée. Dès le mois de juillet 1940, nous avons structuré la résistance. Et avec qui? Avec des structures syndicales en particulier. Cette structure qui avait droit de lutter dans les entreprises, dans les partout. Avec ces militants connus, avec tout ce dévouement qu'il y a dans la classe ouvrière. C'est ainsi que nous avons commencé à structurer la résistance par des comités de revendication. Car imaginez la France battue, écrasée, payant 4 ou 5 milliards pour l'indemnité de guerre, pillée par l'occupant, dans quel état d'esprit étaient les Françaises et en particulier les Parisiennes et les Parisiens. C'est en défendant les premières revendications pour vivre, pour survivre, que nous avons organisé la résistance. Et pas seulement dans la classe ouvrière, mais peut-être qu'on vous a parlé de l'histoire de ceux du musée de la Résistance. Les grands intellectuels du temps avaient commencé, eux aussi, à organiser vers septembre, novembre, la Résistance. Mais malheureusement, ils n'avaient pas, ce que nous avions appris déjà en Espagne et dans le mouvement ouvrier, cette
nécessité de s'organiser contre la répression, contre l'intrusion policière, contre la délation, contre les traîtres. Et malheureusement, le musée du Peuple, première organisation de résistance, est tombé très tôt et nous avons perdu là des hommes de valeur. Alors la résistance a commencé comme ça, par la défense des revendications. Et ensuite, nous avons commencé à prendre la parole à la porte des usines, dans les marchés, dans les queues. Parce qu'à l'époque, certainement vous le savez, il fallait attendre parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures avant de recevoir quelques ravitaillements. Alors, on allait porter la parole de résistance dans, là où il y avait des Parisiens et des Parisiennes. Et il a fallu tout de suite penser à protéger ses camarades, car les policiers commençaient à les traiter. Alors, nous avons organisé l'organisation spéciale avec les anciens des brigades internationales, les hommes habitués à se battre, les armes. Et nous avons protégé nos orateurs, ce qui fait que les policiers ne venaient plus les embêter, d'ailleurs la prise de parole était très rapide, d'une minute, deux minutes, mais c'était pour manifester que la résistance existait et les mots d'ordre. Et c'est ainsi que nous avons en quelque sorte relevé le moral de la population parisienne, nous parlons ici que de Paris, relevé le moral et que la résistance a commencé à recevoir une aide de la part de la population. Car si nous n'avions pas reçu cette aide, qui s'est organisée, qui s'est ramifiée, qui s'est renforcée, nous n'aurions jamais pu organiser la résistance et surtout la résistance armée. Car trop souvent, on entend des gens ne prôner que de ceux qui se battaient les armes à la main. Enfin, prenez l'exemple d'une armée qui n'avait pas l'intendance, qui n'avait pas les moyens de transport, les hommes ne peuvent pas le battre au front. Pour la résistance, c'est exactement la même chose. Et moi-même, la résistance terminée, j'ai pris une feuille de papier et j'ai admis une vingtaine de noms d'amis d'autrefois, en particulier sportifs, puisque pendant quelques années, j'ai fait du sport de compétition, du vélo. Eh bien, j'avais des camarades qui n'avaient jamais été ni syndiqués, ni organisés politiquement, mais ils m'ouvraient leurs portes. Et c'était le cas de beaucoup de résistants, ce qui fait qu'on avait comme un réseau personnel de plantes, d'amis sûrs, et c'est ce qui fait des amis. Alors voilà donc la résistance qui s'organise, qui se manifeste par la parole, par le train, par les journaux, et par aussi, ne l'oublions pas, la radio anglaise. Car quand se déroulait la bataille d'Angleterre, à la fin de l'année 1940, eh bien, nous avions aussi les camps du peuple anglais qui se battaient et qui tenaient, malgré tous les rouleaux montants et les bombardements et les villes détruites. N'oublions jamais ce que l'Angleterre nous a apporté dans ces moments difficiles. Alors nous arrivons à ce moment-là, à l'année 1941, et à la fin de cette année-là, il s'est produit deux événements. Premièrement, la déclaration de guerre des États-Unis qui est rentrée dans la lutte, et qui déjà, d'ailleurs, aidait en particulier l'Angleterre. Et puis, le général de Gaulle qui avait dit, en juin 1940, quand il a bien dit, les forces mondiales n'ont pas encore donné, c'était une vue vraiment, je dirais, étonnante de l'avenir et de confiance. Et il a dit, un jour, l'armée française, reconstitué au loin à l'aide de nos alliés, rendra la liberté et la grandeur à la patrie. Pour le général de Gaulle, qui n'était pas encore l'homme politique qu'il est devenu, pour lui, la résistance, c'était l'armée. Surtout qu'il pouvait s'appuyer sur les camarades des forces françaises libres, qui d'ailleurs n'ont jamais dépassé les 15 000 hommes, mais qui ont fait la preuve de la présence de la France aux côtés des alliés dans tous les combats d'Afrique et ensuite d'Afrique et d'Italie. Par conséquent, le général de Gaulle était parti sur cette donnée, libération de la France par l'armée. Et même en 1944, il avait fait établir un plan, ça s'appelle le plan Caïman, c'est un nom de code, et il pensait avoir un corps d'armée en Angleterre, un corps d'armée parachuté en Auvergne et encadrant la résistance, et la première armée française débarquant en Provence. La libération par l'armée. Mais il a compris très vite, et c'est là alors que je rappelle le deuxième fait important de cette fin 1941, la déclaration de guerre, enfin la guerre entre les États-Unis et les puissances fascistes, et l'envoi de Jean Moulin en France.
avec un autre mission pour rassembler la résistance et aussi diriger la résistance. Ça, c'est un autre problème. Et ce sont les deux faits majeurs qui, en quelque sorte, matérialisent d'une part l'effort des FFL et du général de Gaulle à l'extérieur et l'organisation de la résistance intérieure. C'était la reconnaissance par le général de Gaulle, justement, de ce que la résistance sur le sol national avait déjà réalisé. Et c'est alors que nous avons organisé la résistance armée, les francs-tireurs, et toutes les organisations des différents mouvements de résistance. Voilà donc, déjà vous voyez, la résistance française qui prend sa place, et y compris dans l'action militaire pour la libération. Alors, comme je ne peux pas développer tout ce qui s'est passé ensuite en 1943, nous arrivons à l'année 1944, et déjà à la fin de 1943, le général de Gaulle avait pris une bonne décision, c'était d'organiser les forces françaises à l'intérieur, c'est-à-dire une organisation militaire structurée qui rassemblait tous les éléments divers des différents mouvements, les FTP, les groupes armés de libération, etc. Et c'est alors qu'au début du mois de juin, après beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'arrestations, beaucoup de pertes, nous n'avions pas encore réussi pour la région parisienne à mettre sur pied un véritable commandement et un véritable état-major. C'est alors que, comme dans l'organisation des FFI de la région parisienne, je me trouvais du fait des arrestations comme le plus ancien, celui aussi qui avait commencé très tôt la résistance, d'un commun accord avec tous les mouvements, et avec le CNR en particulier, et le COMAC, qui était le comité d'action militaire du CNR, j'ai été désigné comme chef régional des FFI de l'Île-de-France, c'est-à-dire les quatre départements, Seine-et-Oise, l'Oise, Seine-et-Marne. Et j'ai eu, oui, tu comprends. Et Seine, naturellement. Et c'est à ce moment-là que, avec toute mon expérience de la guerre d'Espagne, l'organisation de la résistance, d'avoir vu s'organiser progressivement tous les organismes nécessaires à une résistance de qualité. Et je dois dire que nous avions là un élément étonnant que n'a pas toutes les armées, c'est notre service de renseignement de 2e bureau. Nous étions au courant de tout ce que faisaient les Allemands, leur mouvement de troupes, leur installation, leur armement. Nous avions une intelligence jusqu'à l'état-major au ministère de la Marine, les résistants allemands, les antifascistes allemands qui nous passaient des renseignements. Très tôt, nous avons su que Paris ne serait pas défendu coûte que coûte. Et tout cela était des éléments qui nous permettaient justement d'établir nos plans en fonction d'une situation connue et d'une situation où nous connaissions l'ennemi avec ses forces, ses moyens, des mouvements, c'est blanc. Et vous savez, quand on a un commandement et qu'on est assuré d'une connaissance point par point et du moral allemand, par exemple, on savait que les soldats allemands disaient c'est pire qu'à Stalingrad. Effectivement, par exemple, sur la question de l'aviation, ils pourront dire pas d'avion allemand à partir du débarquement dans le ciel de France. En tout cela étaient des éléments qui nous permettaient justement d'établir un plan en fonction d'une connaissance exacte de la situation militaire. Mais il y avait pour nous, résistants, une autre donnée capitale majeure, quelle serait l'attitude de la population parisienne quand nous déclencherions l'insurrection. Et c'est à ce moment-là que nous avons vu sur le terrain, dans la situation, le 14 juillet 1944, quand 100 000 Parisiens et Parisiennes ont manifesté dans Paris, dans la grande banlieue. Et pour la première fois, non seulement les Allemands ne sont pas intervenus, mais non plus la police parisienne, parce que la police parisienne était elle aussi travaillant par la résistance. Il y avait trois organisations, l'honneur de la police, police et patrie, et Front National de la police. Et nous avions quelques centaines de policiers courageux qui commençaient à travailler la police pour qu'elle cesse de servir l'occupant. Et le 14 juillet, on a eu cette démonstration. Ce qui veut dire que pour nous, nous étions sûrs que le jour où nous donnerions en connaissance de la situation et des possibilités réelles, lors d'insurrection, la population parisienne répondrait. Et je dois dire peut-être avec quelque satisfaction, c'est d'ailleurs dans un livre qui est paru
à la librairie Hachette, qui s'appelle Libération de Paris, les 100 documents, que j'ai fait avec un professeur historien, Roger Bourderon, le 7 août 1944, c'est-à-dire avant la grande bataille de Mortain. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette bataille, mais où l'armée blindée allemande en France a été mise totalement hors de combat. Et bien, avant cette bataille, j'ai pu donner un ordre dans lequel on peut lire « L'offensive alliée se développe en Bretagne et déjà ses pointes se dirigent en direction du bassin parisien. La caractéristique principale de la situation est que l'armée allemande est incapable de résister à l'offensive alliée. » Et je terminais, nous sommes à la veille de l'insurrection. Et ensuite, il y a toute une série de décisions pour organiser pratiquement déjà l'action avant l'insurrection. Par conséquent, vous voyez que cette décision d'insurrection n'a pas été prise comme quelqu'un qui bouge son doigt, c'est en fonction d'une situation connue, d'un rapport des forces et surtout de l'état d'esprit de la population parisienne. Les Parisiens savaient ce qui s'était passé dans leur histoire. La Grande Révolution, quand les sections armées, justement, ont attaqué les Tuileries et la Bastille, etc., etc. Et ensuite, la Révolution de 1830, 48, 71, les barricades étaient, je dirais, dans l'imaginaire parisien. On a commencé à bâtir des barricades avant même que l'ordre officiel. Vous voyez donc qu'il y avait une atteinte dans la population parisienne des ordres de combat. Alors nous sommes rentrés, peu de jours après ce tout dont je vous parle, où j'avais analysé la situation, et bien avec l'aide des organisations, la CGT, le Comité parisien de libération, le CNR, le grand mouvement de grève, où le refus de travailler pour l'occupant, s'est manifesté par la grève des cheminots, par la ligne des transports. Alors que les Allemands étaient en plein mouvement, par la ligne des transports. Le métro s'arrête, les usines s'arrêtent, et dans les usines, on organise des milices ouvrières. Donc il y a toute une situation qui va progressivement pour créer les conditions réelles de l'insurrection. Et donc, le 19 août, la région parisienne paralysée par la grève générale, l'action de guérilla se multipliant, le 19 août, à 6h du matin, j'ai réveillé mon épouse et j'ai dicté lors du 19 août, où, à côté de différentes décisions, il y en avait une surtout, se pénétrer du principe que le succès est fonction du nombre. Et j'avais pris ça d'ailleurs dans un écrit du maréchal Foch qui avait commandé les armées alliées en 1918. Le succès est fonction du nombre, c'est pourquoi un recrutement intensif doit être pratiqué immédiatement. Et cela a été collé sur les murs de Paris. Et non seulement cela a été collé sur les murs de Paris, mais quelques heures le 19 août, quelques heures après cette décision, j'ai rencontré M. Parolli qui était le ministre du général de Gaulle à Paris, à qui j'ai demandé de mettre sous mes ordres non seulement la résistance était déjà faite, puisqu'il était chef régional, mais en plus aussi la gendarmerie, la police, les pompiers, la garde républicaine, c'est-à-dire 25 000 hommes armés qui ont rejoint la résistance, et sous le commandement des forces françaises de l'intérieur. Alors, vous voyez donc une situation qui, sur le plan militaire, vu du côté de la résistance, était favorable à l'insurrection, mais il y avait aussi, je ne sais pas si je m'excuse de rentrer peut-être dans les détails des militaires, stratégiques, mais nous étions dans une situation militaire favorable. Toute l'armée blindée allemande en France avait été mise hors de combat dans la bataille de Mortain qui s'était terminée le 12 août. Et Hitler avait déjà commencé à donner des ordres de repli aux forces allemandes en France, et nous avoir appris plus tard, il était content de prendre cette décision parce qu'il n'avait plus d'aviation et il n'avait plus de carburant. Vous voyez donc que la situation stratégique était favorable à l'insurrection, et c'est si vrai que le général allemand qui commandait à Paris, quand il demandait des renforts au maréchal Model, qui commandait tout le front de l'Ouest, Model lui disait, j'ai pas de force à vous donner, débrouillez-vous avec ce que vous avez. Qu'est-ce qu'il avait ?
Il avait 20 000 hommes et non pas des troupes de choc. Sauf un groupement qu'on a appelé le groupement Coloc. Et nos camarades de la 2e DB, quand à notre appel, ils sont accourus sur Paris, ils ont dû se battre durement toute la journée du 24 août contre les dernières résistances allemandes. Mais dans la nuit du 24 au 25, ces forces sont repliées parce que le commandement allemand en avait besoin pour assurer sa retraite au moins le prix. Alors vous voyez, je ne sais pas s'il était assez convaincant, mais cette décision d'insurrection a été prise dans les conditions les plus favorables, tant sur le plan stratégique que sur le plan moral, que sur le plan de l'état d'esprit de la population. Et dans les conditions militaires, que si nous les avions, je dirais, dédaignés, nous n'aurions pas été, je dirais, à la hauteur des responsabilités et de la confiance qu'on avait mise dans le commandement et dans les forces françaises de l'intérieur et dans ces milliers de Parisiens et de Parisiennes qui spontanément, il y en avait certainement qui n'avaient rien fait pendant 4 ans, qui se sont fait tuer ce jour-là. Et c'est ce soulèvement qui est naturellement terrorisé le commandement allemand, général von Scholtitz. Et il s'est passé un événement extraordinaire, c'est que le 23 août, la radio de Londres, que je rappelais tout à l'heure, la radio de Londres, le 23 août, à midi, a rappelé « Paris se libère ». Et dans le monde entier, ça a été une chose extraordinaire, « Paris se libère ». Paris redevient la capitale de la France. Et c'était vrai, parce que nous avions enfermé l'ennemi dans quelques points d'appui, qu'on a ensuite réduit avec l'aide de la 2e.